أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Eric Younous. Nous allons parler de sa conversion à l'islam. Professeur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être avant de commencer de parler de votre conversion à l'islam, nous parler de vous avant l'islam. Oui. Qui est Eric Younous? Ouais. Ben Eric Younous est toujours la même personne en fait. Ouais. Eric, c'est Eric. Et avec l'islam en plus, avec Inch'Allah une personne qui tente de s'améliorer, on l'espère. Mais c'est très important de comprendre qu'une personne qui se convertit à l'islam ne change pas du tout au tout en fait. Mon histoire, mon éducation, mes expériences personnelles, professionnelles et même amoureuses m'ont formé. D'accord. Pour ensuite arriver à l'islam. Donc celui que j'étais, c'est... je suis issu d'une famille modeste, d'accord, d'une famille même très modeste, monoparentale. Donc j'ai 4 grandes sœurs, je suis le 5e, je suis le dernier. Hein, le petit chouchou, le dernier. Mashallah. Mashallah. Ma mère a fait 5 enfants jusqu'à temps qu'elle ait un garçon, donc mashallah. Ouais. Donc, j'ai grandi dans des quartiers populaires de France, hein, oui. D'accord. Et on va dire que il y avait une caractéristique depuis tout petit qui m'a marqué en fait, qui a marqué ma personnalité, c'était la croyance en Dieu. C'est-à-dire que depuis tout petit, je croyais en Dieu. C'était un petit peu mon jardin secret. Très tôt, j'étais attiré vers les évangiles. À peine quand j'avais 10-11 ans, de moi-même en fait, parce que ma mère n'était absolument pas pratiquante, chrétienne, d'accord. Oui. Mais absolument pas pratiquante, comme c'est souvent le cas en France. Et j'avais un petit peu cette relation exclusive avec mon Seigneur à travers les évangiles. Donc c'était un petit garçon très rangé qui allait au culte tous les dimanches. Non, quand on n'a pas... En fait, quand on n'est pas encadré, on estime que la foi, c'est uniquement une relation personnelle. Et c'est ouais. Comme ça que moi, je le ressentais en fait. Non, j'étais pas un petit garçon très rangé, ça c'est sûr et certain. J'étais pas un petit garçon très rangé. Par contre, il y a une chose que je ne faisais pas, c'était faire du mal aux autres. Ouais. J'ai fait beaucoup de bêtises étant petit. Par contre, le mal aux autres, ma mère, alhamdoulilah, m'a toujours enseigné un certain nombre de règles. D'accord. Et par contre, il y avait cette relation, en fait, au divin. Donc, tel que moi, je le comprenais à l'époque. Ouais. D'accord? Donc, ça, c'était le petit garçon. D'accord. Alors, donc, vous avez grandi dans un milieu modeste, ouais. Dans une banlieue en France. Oui. Alors, le déclic, comment ça se passe? Un matin, vous vous levez, vous dites que vous allez embrasser l'islam ou bien vous avez été influencé par quelque chose? Ouais. Non, j'ai pas eu de déclic en fait. J'avais toujours une chose dans le cœur, c'était que un jour, je vais lire sur toutes les religions pour trouver le moyen de concrétiser réellement la volonté divine. Donc la chrétienté me convenait, hein, mais il y avait certaines questions qui, lorsque je les posais, les réponses qu'on me donnait ne me satisfaisaient pas, en fait. Ouais. Vraiment, intellectuellement parlant, pour moi, il y avait des questions. Quand sans arrêt, on me dit les voies du Seigneur sont impénétrables, arrivé à un moment, ça devient difficile à accepter, surtout vers l'adolescence. Donc, en fait, j'ai commencé à lire beaucoup sur le judaïsme. J'ai appris beaucoup de choses, d'accord? Mais bon, une religion qui est réservée à une ethnie et qui est complètement, finalement, fermée à ceux qui ne sont pas des descendants des enfants d'Israël, de toute façon, elle est exclue par elle-même. Donc, de toute façon, c'était simplement pour de la culture. La chrétienté, j'ai beaucoup aimé lire dessus, bien évidemment, mais je m'identifiais déjà à ce mouvement-là. Le bouddhisme, ça a été très intéressant. Le shintoïsme aussi, d'accord? Ça m'a vraiment bien intéressé. Et pour tout vous dire, j'ai lu par l'islam par obligation, parce que j'avais pas envie de le faire. Ouais. Ça m'intéressait pas du tout. Je ne fréquentais pas les musulmans étant petit. En fait, mes amis d'enfance sont tous d'origine africaine, d'accord? Cameroun, Sénégal,
Zaïre, ex-Zaïre, Guadeloupe, etc. Sauf qu'aucun d'entre eux n'était musulman. Donc c'est Joseph, Benoît, Guy, Niki, Francis, vous voyez, donc ce n'est pas des musulmans. Tout à fait. Donc moi je n'ai pas connu l'islam à travers des gens, et on a beaucoup ça en France, alhamdoulilah, des gens qui sont souvent avec des musulmans, puis ensuite arrive le mois de Ramadan, Oui. et puis allez vas-y, jeûne avec nous, allez prier avec nous, et puis petit à petit l'islam rentre dans son cœur. Moi je n'ai pas eu de tout cela. D'accord? D'accord. Donc moi ça a été un contact purement intellectuel avec l'islam. Donc j'ai lu sur pas mal de livres, puis j'ai lu sur l'islam, à ce moment-là j'étais au lycée. Et j'ai lu 13 livres sur l'islam, je me rappelle du chiffre, dont une biographie du prophète Ah sallallahu oui, alayhi wa c'est vrai. sallam qui faisait 600 pages comme ça. D'accord. Et à la fin, je me suis dit, eh bien, l'islam, c'est pas la vérité. D'accord. Pourquoi? J'avais lu des livres écrits par des orientalistes. Donc, les orientalistes, en fait, ce qu'ils font, c'est employer beaucoup de mots savants, présenter des faits historiques, mais complètement déviants de la vérité. Donc, si vous voulez, je me suis trouvé avec tout un tas de connaissances, mais en fait, qui avaient été présentées d'une façon biaisée. D'accord. D'accord? Donc en fait, je suis resté dans cet état-là pendant au moins, donc, je Donc, dirais, ça ne vous a pas influencé. en fait, non, ça m'a donné du respect. Au contraire. Par contre, une femme voilée, un homme qui priait, tout comme un prêtre, tout comme une bonne sœur, encore aujourd'hui, un prêtre, je le respecte, une bonne sœur, c'est tout à fait. Je respecte cette démarche-là spirituelle, même si je ne la partage pas au niveau dogmatique, mais en tout cas, je respecte la démarche spirituelle. J'étais très respectueux, mais en aucun cas, je n'avais envie d'aller vers l'islam. Par contre, je ne combattais pas l'islam. Ce que j'avais appris, je ne m'en servais pas contre les musulmans. D'accord. Puis lorsque j'étais étudiant à la Sorbonne en lettres modernes, une fois dans un café, avec tout un tas d'amis, donc j'étais non musulman, donc il y avait de l'alcool, etc. Et il y a une maghrébine qui a commencé à parler de l'islam en disant des mensonges. Et on va dire, comme on dit en France, manque de peau pour elle, hein, manque de chance pour elle, je savais qu'elle mentait. Donc j'ai pas accepté en fait ça. En fait, j'ai commencé à rentrer dans un débat avec elle. À un tel point que les gens qui étaient présents ont fini par penser que j'étais musulman. Donc c'était un Eric, un non-musulman, qui défend l'islam contre Malika, maghrébine. D'accord? Donc c'était un petit peu bizarre comme situation. Et je crois que ce moment-là, peut-être qu'Allah m'a remis une lumière dans le cœur. D'accord. Et ça m'a tellement vexé, j'ai trouvé ça tellement mauvais et vicieux de mentir sur une religion que j'ai décidé de relire. Et cette fois-ci, j'ai lu les bons livres, alhamdoulillah. Et ça vous a amené à devenir musulman. Exactement. Et tout ça se passe, la famille n'est pas informée. Non, ah non, 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 la famille n'est pas informée en fait. J'avais vraiment, déjà je suis parti de chez moi assez tôt, hein, vraiment assez tôt. J'étais très jeune quand je suis parti de chez moi. Et lorsque j'étais étudiant, en fait, j'ai pris une chambre étudiante. Donc je vivais au milieu des étudiants. Donc là, en fait, si vous voulez, de toute façon, tout ce qui était du domaine du divin, c'était une chose que je ne partageais pas avec ma famille. Non pas que j'avais peur d'une mauvaise réaction, mais pour moi, c'était. Vous savez, je suis italien, on est des têtus, hein? Quand on a une idée dans la tête, j'étais parti de l'idée, apparemment, que de toute façon, pour être sincère, il fallait que ce soit une relation exclusive et que personne ne devait être au courant. Je sais pas. Mais apparemment, c'est une démarche commune à tout le monde, hein? Tout ce qui est en bosse d'islam, généralement, n'informe pas les gens. C'est après la conversion qu'ils décident d'informer et dire, ah, ben voilà, je suis devenu musulman. Et puis, on dit, non, tu blagues, c'est un jour que tu seras musulman, après, tu vas abandonner. D'accord. Alors, finalement, quand tu informes la famille, quelle est la réaction? Alors une réaction de peur parce que le 11 septembre 2001 a changé l'image de l'islam dans le monde, ça c'est une certitude. Donc une réaction de peur, une réaction de crainte, une réaction de tu vas devenir différent, tu vas être une autre personne. Et puis finalement donc alors mes sœurs ça s'est bien passé. Avec une de mes sœurs ça s'est moins bien passé, mais elle a fini par l'accepter. Mais au début c'était avec ma mère que ça ne se passait pas bien. Donc Comme elle était chrétienne, elle priait aussi beaucoup. Maintenant, pour son fils, elle se dit comment il a fait, pourquoi il a choisi l'islam. Il n'y avait pas d'échange à ce niveau. Non, mais je crois qu'au final, c'était même pas une question de je prie et donc je veux que tu sois comme moi. Je crois qu'en fait, il y a souvent un mythe dans la tête des gens, c'est que bah, la chrétienté, au-delà d'être une croyance et une religion, c'est une culture, en fait. Et en fait, les gens ont l'impression qu'en quittant cette culture, on dénie et on renie une part de ce que nous ont légué nos parents. Et je crois que les parents, ils sont très vexés par ça. Ils se disent, mais en fait, tu as choisi un mode de vie qui n'est pas celui que je t'ai enseigné. Tu as mis à la poubelle tout ce que je t'ai. Ce qui est complètement faux. C'est l'éducation de ma mère qui m'a ramené à l'islam. Alhamdoulillah. Quand elle m'a parlé de justice, quand elle m'a enseigné certains éléments de la bonté, c'est elle qui m'a amené à l'islam. Sans le savoir. Mais sans le savoir. En fait, les valeurs positives transmises à l'enfant amènent au bien. Et qu'y a-t-il? Y a-t-il un plus grand bien que l'islam? Non, il n'y a pas. Et à quel moment elle a accepté? Alors, elle a accepté, en fait, finalement, ça a été long. Ça a 6 ans. 6 ans.
6 ans. Au bout de 6 ans, elle s'est convertie à l'islam. Alhamdoulilah. Et la pratique, elle s'est passée comment? Est-ce que c'était toujours en cachette, quand il fallait faire la prière, quand il fallait jeûner pendant le mois de Ramadan? Alors moi, comme je vous ai dit, Ali, moi, c'est un petit peu spécial parce que j'étais parti de chez moi assez tôt. Donc en fait, le moment où moi, je me convertis à l'islam, j'ai 21 ans, d'accord? J'ai 21 ans, en 2001, je suis en cité universitaire. Donc je suis indépendant, je D'accord. travaille à cette époque-là. Bah, j'ai fini mes études, j'ai délaissé mes études, pardon, en lettres modernes pour me consacrer à la musique, qui était ma passion à l'époque. Je suis ingénieur du son, ingénieur son et lumière, d'accord? D'accord. Donc en fait, je suis complètement indépendant et j'ai une relation, même si j'ai 21 ans, c'est comme si j'en avais 30 en fait, vous voyez? Donc j'ai une relation avec ma mère où j'ai mon propre appartement, j'ai mon propre travail, je l'informe, je viens la voir, mais je n'ai pas vécu cette problématique des convertis qui doivent prier en cachette, qui D'accord. sont à table, on sert du porc, ils ne savent pas quoi faire. Je n'ai pas vécu ces problématiques, D'accord. alhamdoulilah. Pendant cette période, quand même, elle t'appelait, elle te rendait visite. Non, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. D'autant plus qu'en 2004, je suis accepté à l'université islamique de Médine. En 2003, je me marie. En 2004, je suis accepté à l'université. Donc, je pars en Arabie. Donc, avant, par exemple, ces deux périodes, avant de se marier, avant le mariage et avant le départ de Médine, tu fais comment? Est-ce que tu informes ta mère que tu vas te marier, tu vas épouser une musulmane? Ah oui, non, bien sûr. Et Ah, elle bien réagit sûr. aussi comment? Non, mais en fait, si vous voulez, la culture française et la culture africaine sont différentes, en fait. C'est vrai que, mashallah, dans la culture africaine, les parents ont une place qui est indétrônable. En France, c'est différent, surtout chez l'homme blanc français, entre parenthèses. C'est différent. C'est-à-dire, nous, on a vraiment cette mentalité de, écoute, j'ai 18 ans, j'ai ma propre vie à mener, c'est mes choix, tu te dois de les respecter. D'accord. Donc en fait, c'est une mentalité qui est différente. Il y a tout un tas de traditions ou de, on va dire, de choses par lesquelles on doit forcément passer Tout en à fait. Afrique, par lesquelles nous, on ne passe pas en fait. Donc la question de choisir ma femme, c'était impossible que ma mère me dise, tu ne prends pas cette femme. D'accord. Est-ce que c'est une convertie ou bien elle est née dans l'islam? Non, ma femme est une femme d'origine algérienne. D'accord. Alhamdoulilah. Et maman, elle n'a rien dit, elle a juste observé, elle a encaissé. Ah oui, non, ça allait parce que au moment où je me marie, ça fait déjà 2 ans que je suis musulman et alhamdoulillah, j'ai été bien entouré par des frères qui m'ont vraiment poussé à lire beaucoup de paroles sur la piété envers les parents. D'accord. Et donc ma mère a vu en moi finalement quelqu'un de beaucoup mieux qu'avant, inshallah. Des cadeaux, des visites, des paroles douces, de la gentillesse, être toujours là pour elle. Donc si vous voulez, Ali, en fait, il y a une évolution positive. Et en fait, pour elle, c'était un peu normal. Et puis quand elle a rencontré ma femme, pour vous Elle dire, a immédiatement. ma mère appelle ma femme le diamant. Ah, d'accord. Inch'Allah. Donc elle est, voilà, donc alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Mais il D'accord. y a un autre élément qui est important. Je vous disais que ma femme est d'origine algérienne. Ça, avant de pouvoir me marier, j'ai essuyé des refus. Donc très important, cette notion de convertir à l'islam qui doit faire face au racisme. Et ça, je ne suis pas le seul. Vous-même, les personnes d'origine gabonaise qui se convertissent à l'islam doivent faire face aussi à du Non, racisme. ça c'est fréquent. Hein, voilà, C'est fréquent. de la part d'autres ethnies. Comme quoi, vous savez, souvent le racisme, on a l'impression que c'est du blanc vers le noir vers le blanc ou l'arabe. En fait, entre ethnies, il y a un racisme. Et on doit l'appeler le mot racisme, qui est En très fait, très pour fort. bien situer nos téléspectateurs, quand je dis que c'est fréquent, c'est qu'aujourd'hui, c'est maintenant peut-être qu'on décide qu'un Gabonais peut épouser la fille d'un Malien ou bien d'un Guinéen ou bien, je sais pas, d'un Camerounais. Mais il y a encore 5 ans, 10 ans en arrière, c'était difficile que un Gabonais épouse la fille d'un Malien ou bien d'un Sénégalais ou je sais pas d'un Béninois ou bien d'une Béninoise. Alhamdoulillah, bah C'était compliqué. c'est une belle preuve d'évolution, Ouais. de tolérance et de piété. Alhamdoulillah. Parce que tout simplement, on s'est dit c'est un converti. Et bon, quelque part, ils n'ont pas tort parce qu'on a vu des gens embrasser l'islam un jour et le lendemain abandonner la pratique de la Alors religion. ça, la méfiance Ouais. vis-à-vis de la piété, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas lié à l'origine de la personne, mais que c'est lié à un doute peut-être sur sa sincérité, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? On fait une enquête. Eh, sa fille, c'est pas un téléphone portable qu'on donne à quelqu'un. Sa fille, on l'a élevée pendant 18 ans, 20 ans, peut-être 25 ans. On l'a aimée toute sa vie. C'est normal qu'on fasse une enquête. Et je peux vous dire que ceux qui vont vouloir se marier avec Ouais. mes filles vont subir une sacrée enquête. Donc l'enquête, elle ne pose pas de problème. Vérifier, savoir si la personne est droite, bien sûr, c'est normal et il le faut. Tant que ce n'est pas une question d'origine. Donc les parents de madame ont dit, alors tu nous amènes Henrique ici dans la famille.
Ils ont Ça, réagi. alors, ma femme, mashallah, elle avait sa mère, parce que son père est décédé lorsqu'elle était toute petite. Elle était orpheline de son père depuis l'âge de ses 2 ans. Donc, j'avais juste ma belle-mère, rahimahallah, qu'Allah lui fasse miséricorde, Amen. Qui est morte il y a un certain nombre d'années maintenant. Rahimahallah, une femme exceptionnelle qui m'a accepté comme son fils. Vous savez, souvent, les gens le disent, non, c'est comme ma mère, elle m'a pris comme son fils. Et en fait, c'est une parole qu'on dit. Bah, c'est un petit peu ce qu'on appelle de la mujamala. C'est pas vraiment comme le fils. Elle m'a pris comme son fils. Vraiment. Et je l'ai considérée comme ma deuxième maman. Elle était exceptionnelle, extraordinaire cette dame. Que de la bonté, tabarakallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc j'ai été accepté en fait, alhamdoulilah. Il faut dire que je suis venu demander sa main avec un imam connu, Cheikh Hassan Bounamcha, Ami Hassan, qui est très connu en France, qui est d'origine tunisienne, qui est venu demander la main avec moi. Donc quand je suis venu avec un imam, je suis venu avec quelqu'un de costaud, alhamdoulilah, c'était bien. D'accord. En tout cas, c'est le chemin qu'on demande à tout le monde hein, de prendre, d'emprunter Ouais, bien sûr. pour réussir. Bien sûr, bien sûr. Sinon, on ne se présente pas seul et puis. Ah voilà. non, bien sûr. Ah, bien sûr. Et puis, il faut rassurer les parents, il faut donner des Ouais. garanties aussi. Il faut. Ah non, toutes ces choses-là, elles sont tout à fait normales. Il faut. On vient pas prendre la fille de quelqu'un et puis disparaître. Non. Moi, ma femme, elle est restée la fille de sa mère. Mais je n'ai jamais voulu me mettre entre elle et sa mère. Ça reste la fille de sa mère. Sa mère l'a mis au monde. Tout à fait. Une femme, c'est pas un objet qu'on prend. Salam alaikum. Oh, merci. Merci de l'avoir élevée. Merci de vous être occupé d'elle. Je l'emmène, vous la verrez plus. Non, pas du tout. Ça reste la fille de sa mère. Un contact avec la famille, un contact chaleureux, c'est très important, bien sûr. D'accord. Alors, vous êtes converti à l'islam. Alors, quel a été le regard de la société, vos anciens amis? Comment ils vous voyaient? Alors c'est un peu, bon, j'ai pas envie de dévoiler mes péchés d'avant, mais c'est-à-dire que moi j'étais vraiment dans une. Alors vous savez, dans les quartiers populaires en France, bah on a souvent des moyens de s'en sortir pour ne pas tomber dans la délinquance ou des choses comme ça. Souvent le sport. Donc nous on était très branchés basketball, d'accord, on faisait souvent du basket ensemble. Le soir plutôt que de rester dans le quartier, nous on partait souvent en soirée. Vous voyez. Donc en fait ma vie avec eux c'était, puis aussi je faisais de la musique, je faisais du rap. De l'animation dans voilà. Voilà, donc on allait en soirée, on faisait du rap, on faisait des concerts de rap, on faisait des choses là, comme ça fait bizarre de parler de ça à la Ouais. télé, astaghfirullah. Donc on faisait toutes ces choses-là. Et quand je me suis converti à l'islam, et bah je leur ai dit, arrivé un moment, écoutez, quand je fais ça avec vous, je suis plus bien, je me sens pas bien. Ils m'ont dit, hey, Eric, l'important c'est que toi tu sois bien. Et ça c'est des gens qui vous aiment. L'important c'est que toi tu sois bien. L'important, c'est pas que moi, je sois content que tu viennes avec moi. L'important, c'est que toi, tu te sens bien. Donc ça, ils ont été super compréhensifs. D'accord? Donc, et puis, faut dire que l'homme africain est très souvent beaucoup plus tolérant vis-à-vis des religions que l'homme européen. C'est différent. Alhamdoulilah. Alors, après votre conversion à l'islam, 2 ans, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, vous obtenez la bourse de l'université islamique de Médine. Ouais. Vous partez étudier la langue arabe et la religion. Alors, comment ça se passe quand vous arrivez pour la première fois à l'Arabie Saoudite? Alors, je voudrais juste revenir avant, parce qu'en fait, sur la façon dont j'ai réussi à être à Médine. Parce que Médine, en fait, il y a environ 5 000 demandes par an du côté des Français, et à mon époque, il n'y en avait que 10 à 15 acceptées. Donc, sur 5 000. D'accord. En fait, lorsque je me suis marié en 2003, la dot que ma femme m'a demandé, c'était la Omra, le petit pèlerinage. Donc, elle m'a pas demandé des bijoux ou des vêtements, hein. Elle m'a demandé, voilà, bah, moi, je voudrais qu'on fasse le petit pèlerinage ensemble pendant le D'accord. mois de Ramadan. Donc, je suis parti avec elle, alhamdoulilah. Lorsque j'étais là-bas, Allah a fait que j'ai rencontré plein de monde, mashallah, dont une personne dont le cousin était l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France. Donc, il m'a dit, écoute, quand tu rentres en France, tu vas le voir. Tu vas le voir de ma part, sans me dire pourquoi. J'ai attendu quelques semaines quand je suis revenu, je suis parti le voir. Il m'avait donné une lettre en arabe que je comprenais pas. Je lui ai donné, et sur la lettre, c'était, écoute, lui, il faut lui payer le grand pèlerinage, le Hajj. Faut qu'il D'accord. fasse le Hajj. Donc, il m'a mis, en fait, dans chaque année, le roi d'Arabie Saoudite et beaucoup d'émirs, en fait, beaucoup de princes, payent le grand pèlerinage pour des convertis à l'islam, dans le monde entier. Donc, on était une quarantaine de Français. Et donc, ils m'ont invité pour le Hajj, moi et ma femme. Enfin, ma femme et moi, pardon. Lorsque je suis parti là-bas, j'ai rencontré un monsieur qui m'a proposé d'étudier, un monsieur d'origine soudanaise. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais venir étudier au Soudan? Bah, moi, j'étais pas, je comptais pas prendre cette voie-là, en fait. Tout à fait. Donc, je lui ai dit, il me faut du temps pour réfléchir. Donc, je suis rentré chez moi, enfin, je suis rentré à la chambre d'hôtel. J'ai fait la prière. Une bonne partie de la nuit, j'ai fait la prière de consultation. Et le matin, je suis arrivé à la conclusion que, khalas, je vais consacrer ma vie maintenant à être au service d'Allah, puis au service de la communauté, par conséquence.
Lorsque je suis reparti le lendemain au rendez-vous, je ne le trouve pas en fait. Il n'était pas là, il avait peut-être eu un problème, mesquine ou quelque chose. Mais à la place, je rencontre un autre homme qui voit que j'attends quelqu'un, un monsieur saoudien, et qui parle le français, un saoudien qui parle le français, alors, ça, qui avait travaillé à l'ONU. Non, Allah me l'a envoyé celui-là, à l'endroit pile où j'avais rendez-vous. Et donc il commence à me parler et tout, il me parle en arabe, je dis ouais, excusez-moi, je comprends pas. Il me dit ah, tu parles français, viens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé français. Il commence à discuter, il me dit alors tu cherchais quelqu'un. Et je lui explique que j'avais rendez-vous avec un monsieur pour peut-être partir étudier au Soudan. Il me dit ah, le Soudan c'est bien et tout, mais qu'est-ce que tu dirais d'étudier à Médine? Je dis ah bon, mais est-ce que c'est possible? Il m'a dit tout est possible avec la permission d'Allah. Il m'a fait une lettre, il m'a dit appelle à ce numéro, et là, j'ai appelé le numéro, quelqu'un est venu me chercher, on est parti à Médine. J'ai passé l'entretien, ils ont vu que j'étais d'origine italienne, il n'y avait pas d'italien. Ils m'ont dit, toi, t'es pris en septembre. Alhamdoulilah. Donc, en fait, quand je suis rentré, j'ai expliqué ça à ma femme, alhamdoulilah. Je suis rentré en France et j'ai été accepté, en fait. Alhamdoulilah. Et quand tu es parti étudier, madame, tu l'as amenée ou bien elle est restée? Alors, c'était problématique avant. Moi, la problématique, c'est qu'on m'avait dit à l'origine, quand j'ai passé l'entretien, que ma femme viendra avec moi. Il se trouve qu'entre temps, j'ai découvert que, en fait, on ne pouvait pas ramener sa femme. Donc, je suis resté, j'étais jeune marié, hein, pendant un an sans mon épouse, qui était enceinte de notre premier enfant. Donc, c'était vraiment très difficile. Hein, vraiment, je suis parti en septembre, je suis revenu en janvier, en début janvier. Pendant 40 jours, on avait eu des vacances. Mm-hmm. Et à ce moment-là, alhamdoulilah, notre première fille, Sundus, est venue au monde. Donc, j'ai pu assister à la naissance de ma première fille. Et ensuite, je suis reparti, donc j'ai pu revoir ma fille. Il n'y avait pas Internet comme maintenant, aujourd'hui. Hein. Pas de photos, rien. Jusqu'en juin. Ah, et après, Allah m'a facilité, j'ai refait d'autres rencontres et j'ai réussi à avoir la carte de résidence pour mon épouse. Elle est venue, alhamdoulilah. Et que j'ai pu faire les 7 retraites. Et ça s'est passé comment l'apprentissage maintenant? Vous parlez le français et puis vous arrivez dans un milieu où on ne parle que l'arabe. Bon, tout est en arabe. Mmh. Et vous vous mettez au bain. Je comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je ne savais pas lire l'arabe. Je suis arrivé à Médine, je ne savais même pas lire l'arabe. Et j'étais dans une classe où la plupart avaient mémorisé, enfin pas la plupart, mais certains d'entre eux avaient mémorisé tout le Coran. Il y avait même un Pakistanais dans ma classe qui avait mémorisé Sahih al-Bukhari, donc le recueil de l'Bukhari. Moi, je connaissais 5 swad du Coran et je ne savais même pas lire l'arabe. Donc, moi, ça a été très très dur. Les gens, des fois, ils me voient en tant qu'aujourd'hui prêcheur, faire le prêche du vendredi grâce à Allah Azza wa Jal en arabe, français, sans feuille, se disent, waouh, non mais non, attends, j'ai travaillé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant des années. Donc, ça a été très dur l'apprentissage. Pour moi, ça a été très difficile. Peut-être pour les nouveaux convertis aussi, quelle est la méthode que vous avez utilisée? En langue arabe? Oui, en langue arabe. Ça a été, la première méthode, ça a été le travail intensif sans arrêt. Déjà, c'est la chose qui est importante. Et la méthode, ça a été la méthode de l'université islamique de Médine. D'accord? Donc, ça a été vraiment un bienfait pour moi. Si un conseil à donner à un converti qui s'intéresse à cette langue, qui doit l'apprendre, le Coran, comment il doit s'organiser? Alors, avant toute chose, il faut qu'il trouve en fait des professeurs qui soient disponibles. Et ça va peut-être vous étonner, mais moi, je ne conseille pas des cours gratuits. D'accord. Malheureusement, dans la communauté, on confond fi sabilillah et gratuit. Et on confond gratuit avec je n'ai aucune obligation de le faire. Donc ça, c'est un gros défaut. Donc moi, déjà, ce que je conseille, c'est que le professeur soit rémunéré, même si c'est une somme. Et au moins, le professeur, il a un contrat. Il est obligé de venir. Ça, c'est un premier élément. Rester avec le professeur et toujours utiliser une méthode qui soit faite pour les non-arabophones. Et non pas prendre des méthodes qui sont faites pour les arabophones. Nous sommes des non-arabophones. Donc, il nous faut une méthode qui soit adaptée pour nous. Et comme on dit, les portes de la langue arabe sont lourdes à pousser. Mais une fois qu'elles sont ouvertes, tout le reste est très facile. Donc, dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est les 6-7 premiers mois qui sont difficiles. Mais après, c'est que du plaisir, machallah. D'accord. Et c'est la même chose pour le Coran? Pareil. Le Coran, en fait, la mémorisation, c'est un muscle. C'est un muscle. Je vais vous donner un exemple. Pendant les 2 premières années, on devait juste mémoriser Juz Amma. Donc, le dernier chapitre du Coran. Pour moi, ça me paraissait insurmontable. Je restais tous les jours à mémoriser le Coran. Ça va étonner les spectateurs, peut-être, mais de après le Fajr. Après la prière du matin, jusqu'au lever du soleil, donc pendant 1h30, en 1h30, j'apprenais même pas une ligne. Une page, c'est 15 lignes. Ouais. Et ça a été comme ça pendant 1 an et demi. Mais j'ai pas lâché. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup travaillé. Jusqu'à temps que mon cerveau se réhabitue, alhamdoulilah, parce que vous vous en doutez bien. Quand on n'est pas musulman et qu'on est dans le monde de la musique, on boit,
et on fume même des substances illicites. Donc ça a ensuite un impact sur le cerveau. D'accord ? Donc il a fallu du temps et beaucoup d'eau de zemzem, hein, ouais, l'eau bénite pour nettoyer tout ça. Alhamdoulilah. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, en toute facilité, en moins de 15 minutes, je peux apprendre une demi-page. Alhamdoulilah. Donc au fur et à mesure, en fait, le Coran, c'est pour les patients. Et la patience, c'est pas juste la patience face à une personne qui t'agresse. La patience, c'est aussi as-sabr fi talab al-ilm. La patience dans l'apprentissage, elle est fondamentale. Plus vous allez apprendre, plus vous allez aimer apprendre, plus vous allez bien prononcer le Coran, prendre du plaisir à le réciter. Et après, le Coran, c'est comme l'oxygène. On ne peut pas s'en passer. D'accord. Alors, vous avez terminé à l'université de Médine, vous êtes rentré au pays. Comment ça s'est passé, votre retour? Ah, plus dur sera la chute, hein? C'est difficile de passer de Médine à Paris. Ouais. C'est très difficile. Mais néanmoins, il y a une chose qui a toujours été claire dans ma tête, c'est que je partais à Médine pour apprendre. J'étais financé par des gens là-bas pour ensuite venir prêcher. Donc je vais vous étonner, j'ai même eu l'occasion de rester vivre à Médine, enfin vivre à Riyad en étant prof de français, parce que j'étais professeur de français privé à Médine. J'ai dit non parce que j'avais une mission. La mission, c'était d'expliquer l'islam, enfin de contribuer à l'explication de l'islam à mes concitoyens. Et regardez, même au Gabon, aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Allah Azzawajal. Donc en fait, le retour était naturel pour moi. Maintenant, il y a aussi un grand bienfait, c'est que le jour de mon arrivée, avant même mon arrivée, 4 mois, j'ai une proposition d'emploi et j'ai repris en main avec un autre cher Sofiane, hafidahullah, une école. D'accord, qui avait une grosse capacité, mais qui n'était pas assez exploitée, on va dire. Pour vous dire, je suis arrivé le matin à 6h du matin, j'ai commencé à travailler à 16h. Et depuis, j'ai pas arrêté de travailler. Donc ça, c'était en 2012. Voilà. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ça a été une grande chose. Pourquoi? Je remercie Allah de ne pas être obligé de faire un travail autre que ce dans quoi j'ai fait des études pendant 8 ans. Ça aussi, c'est fondamental. Parce qu'on dit toujours aux gens d'aller étudier. Oui, mais il faut leur créer des opportunités par la suite. Une personne qui va aller étudier à Médine pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui revient, qui ne peut pas être imam, qui ne peut pas être professeur. Non, c'est pas possible. D'accord. Il faut lui créer des opportunités, mais c'est aussi à l'étudiant d'être, comme on dit en arabe, fahal, réactif, à l'affût, entreprenant, entrepreneur. Et à ce moment-là, inshallah, il y a plein de choses qui peuvent être faites et on apprend plein de choses. D'accord, peut-être ça peut étonner nos téléspectateurs. Pourquoi vous gardez votre prénom Eric? Parce que je suis Eric. Mmh. Moi, je suis Eric. Je ne suis pas que Younous. Younous, si vous voulez, c'est le prénom musulman qui est d'origine hébraïque, qui signifie le rapproché d'Allah. Alors, je ne me sens pas rapproché d'Allah. Je ne mérite pas cette appellation, mais j'espère la mériter un jour. Et vous savez, c'est l'histoire de Younous, de Jonas, qui a fui sa mission, qui a été avalé par la baleine, puis rejeté, puis ensuite pardonné de son manquement. Et si vous voulez, moi, ma vie avant l'islam m'est apparue comme étant finalement, même si je pensais, parce qu'on avait parlé la dernière fois dans une émission du bonheur, oui, même si je pensais être heureux et que dans les critères français j'avais le bonheur, j'avais un travail ingénieur du son, les femmes, il y avait tout ce qu'on voulait, il y avait, enfin voilà, ce qu'on peut espérer, d'accord, dans les critères français. Et bien là, en fait, finalement, j'ai découvert d'autres choses. D'accord? Et ce Younous, cette histoire m'a fait penser un petit peu à mon histoire. Mais j'ai voulu garder Eric Younous parce que moi, je ne me suis pas fondu dans une identité qui ne serait pas la mienne, qui serait une identité d'arabité. Je ne suis pas arabe. Et je ne compte pas faire semblant d'être arabe. Je respecte le peuple arabe et je l'aime de tout mon cœur et ma femme est d'origine arabe. Mais j'ai ma spécificité, j'ai ma culture, j'ai mes origines, j'ai ma vision du monde. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'islam est si varié dans le monde. Et c'est ça une des richesses de l'islam. Ouais. Et peut-être pour terminer, quelle est la relation aujourd'hui que vous avez avec votre mère? Et peut-être donner un conseil aussi à tous les convertis à l'islam. Ouais. Ma mère est convertie à l'islam aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, elle se voile. Pourtant, en France, c'est pas facile de se voiler. Elle se voile, elle prie beaucoup la nuit. Elle fait beaucoup d'invocations pour moi. Et, mashallah. Alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal guide qui veut, Wallah, alhamdoulilah. En tout cas, si j'ai un conseil à donner à nos petits frères, à nos petites sœurs qui sont convertis à l'islam, c'est que vis-à-vis de vos parents, ayez toujours la bonne intention, la bonne parole, le bon comportement. N'oubliez pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Tahadu tahabu ». Faites des cadeaux, vous allez vous entraîner grâce à ces cadeaux. Parce que c'est une preuve concrète de l'amour qu'on a dans notre cœur. Soyez meilleurs. Et parlez-leur de l'islam.
N'ayez pas honte de parler de l'islam. La meilleure des choses qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est l'islam. Donc ne soyez pas quelqu'un qui vient imposer ses croyances et qui est trop oppressant. Il ne faut pas être oppressant. Mais ne laissez jamais le rappel de ce qu'est l'islam, par un moyen ou par un autre. Et si Allah décide, par sa miséricorde, de guider un de vos parents, votre parent, alhamdoulilah, au jour du jugement, hein, il viendra derrière vous. Parce que c'est vous qui l'avez amené à l'islam, inshallah ta'ala. D'accord ? Ce sera votre banque de bonnes actions, inshallah ta'ala. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir regardée. Merci d'être passé sur ce plateau. Un grand plaisir. J'espère vous avoir encore prochainement dans le cadre d'une autre émission. Inch'Allah. Alors sur ce, on dit à nos téléspectateurs, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.